Première vidéo de l'année. On y va. Salut et bienvenue sur Blabla de Musique pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et donc que vous allez commencer 2017 correctement. Donc je vous souhaite mes meilleurs voeux. Tout le tralala, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pas mal de choses. Et je vais d'ailleurs vous dire quel est le gagnant donc, du petit concours que j'avais monté. Donc oui, c'est vrai que j'aurais dû le faire la semaine dernière, mais bon, j'ai eu un petit contretemps. Donc je vais annoncer le gagnant, mais je vais l'annoncer un petit peu en fin de vidéo, parce que cette vidéo sera consacrée à la réponse aux questions que vous m'avez posées pendant l'année 2016 et sur des points sur lesquels j'aimerais revenir. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc la première question, c'est une question de Eloi Alidor. Peux-tu me former à distance car je débute? La formation à distance ou la formation à domicile. Donc c'est un sujet qui est revenu énormément en 2016. De me demander si je pouvais me déplacer pour former des personnes à domicile ou former des personnes à distance. Et donc, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je, pour tout vous dire, que je risque de faire au mois de janvier, parce que j'ai rencontré quelqu'un pour aller chercher une MPC et il s'avère que c'est une personne qui a été abonnée à ma chaîne et qui en a profité pour me demander. C'est un sujet sur lequel je n'avais pas encore réfléchi. Et donc là, j'ai réfléchi un petit peu plus. Donc je vais essayer de mettre un lien où on pourra peut-être faire un petit questionnaire pour voir si ça peut plaire à des gens. Donc parce que forcément, si je fais des formations à domicile pour quelques personnes, ce sera payant. Et aussi peut-être une autre façon de faire, ce serait d'aller sur une plateforme et de faire des petites conférences d'une à deux heures, donc qui seront aussi payantes pour le coup, et dans lequel vous aurez toutes les questions que vous pourrez me poser. On pourra se poser les questions, on pourra s'expliquer le tout en direct et on pourra même donner des conseils en direct. Donc je vais essayer de mettre un truc en description. Et vous allez me dire, bon, pour ceux qui voient la vidéo et qui veulent vraiment aller plus loin, vous allez me dire si ça vous intéresse. Et donc après, si ça vous intéresse, je communiquerai à ceux qui veulent justement avoir cette prestation, je communiquerai les prix, etc. Donc voilà. Est-ce que c'est vraiment utile une carte son ou pas? La question revient aussi souvent. Donc après ma vidéo sur la carte son, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. La question revient souvent en me disant, est-ce que la carte son c'est utile, est-ce que c'est vraiment utile ou pas, est-ce que c'est indispensable ou pas? La carte son, pour moi, ma vision des choses, c'est pour moi la carte son elle est indispensable. Il n'y a rien à dire, il faut absolument que vous en ayez une si vous voulez monter un home studio pour le moins optimal. Parce que dans une carte son, vous pouvez brancher vos enceintes, vous pouvez brancher une guitare, parce que j'ai eu la question. Donc oui, on peut brancher une guitare dessus, vous pouvez brancher des synthétiseurs, vous pouvez brancher, bon, comme sur ma vidéo sur la carte son dit, vous pouvez brancher absolument tout dessus, et ça vous permettra de décharger votre ordinateur de la partie son. Donc vraiment, c'est quelque chose d'indispensable si vous voulez vraiment commencer à faire de la musique. Salut, le Mac Mini est-il toujours dispo? Oui. Alors c'est une question qui m'a été posée pour très exactement 3 fois. Et donc il est toujours disponible, il est toujours à vendre. Et il faut toujours que je le configure pour le mettre à la vente. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour la vente du Mac Mini, qu'ils me le disent dès maintenant. Parce que là, du coup, je vais faire le nécessaire. Donc je le vendrai un peu plus de 500 € pour tout vous dire, parce qu'il a été mis... Il a été mis à jour, donc il y a un SSD dedans, etc. Donc il sera vendu pour un peu plus de 500 €. Donc si vous avez 500 € parce que vous avez de l'argent que vous avez eu après les fêtes, vous me laissez un commentaire, un message, etc. Et puis on voit comment on fait, et puis voilà. Lindy Mickey qui nous dit, tu live sur quoi? Je live sur quelque chose de très particulier. J'ai pris cette question parce que... Il y a quelque chose de très particulier dans mon live et que j'aime bien, c'est que je fais mon live sur iPad. Donc il y a une petite application qui s'appelle Traktor DJ de Native Instruments, donc qui est ultra facile à prendre en main, et j'ai un contrôleur qui s'appelle le Traktor Control S2. Donc si vous voyez, regardez ce que c'est super, ça marche avec l'application, et donc en fait je mixe avec ça. Donc ça m'en
permet d'emmener le minimum de choses, le contrôle S2, le contrôleur, plus l'iPad et puis quelques câbles. Ça m'en permet d'emmener le minimum de choses et de faire un maximum de choses à la fin. Si vous voulez que je détaille ça en plus, je le ferai peut-être dans une autre vidéo, mais il faut que vous sachiez que je ne ferai pas de détails sur comment faire sa musique en live ou sur tout ce qui est DJing, sur tout ce qui est platine, c'est pas ma tasse de thé. C'est pour ça que j'ai pris ça. Avant, ça l'aurait été, mais maintenant, ça l'est plus. Mais voilà, donc si vous voulez que je développe cette petite combinaison, il n'y a pas de problème, je vous le ferai dans une vidéo. On pourra faire ça comme ça. La carte son la moins chère, ça fait combien en francs CFA? Moi, je suis au Togo, comment pourrais-je l'avoir? Alors, pour information, j'ai réellement cherché, pour le coup, ça m'a intrigué. Si on se base sur la carte son que j'ai toujours présentée jusqu'à maintenant, qui est une carte son très bien, qui est la Focusrite Scarlett Solo, on serait sur une carte son à 65 000 francs CFA, qui correspond à 99 euros. Donc, il sera peut-être un peu moins d'occasion. Pour la faire arriver, je pense qu'il faut que voir au niveau d'Amazon. Je vois pas comment faire. Mais sinon, Amazon pourrait peut-être faire en sorte d'avoir la carte son jusque-là. Mais en tout cas, 65 000 francs CFA, c'est pour 65 000 francs CFA, on a une carte son bien. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour les questions. C'était vraiment très rapide. Donc c'était pour vous donner un petit aperçu, vous donner quelques petites réponses et pour aussi un peu débroussailler tout ce qui s'est passé ces derniers temps, etc. Donc il y a une question qui m'est tombée dessus aussi pour savoir est-ce que je pourrais faire des tutos sur le séquenceur sur lequel je fais mes prods. Donc il faut savoir qu'il y a Machine, mais en fait il y a une petite chaîne qui s'appelle Workshop Studio qui est fait par un pote qui fait des petits tutos Machine, donc qui est très bien. Donc je mettrai l'information en description. Et aussi après, donc il y a Presonus Studio One, c'est sur ça que je travaille aussi. Franchement, attendez, il y a peut-être quelque chose qui se débloque, je sais pas, je peux pas en dire plus pour l'instant, on verra. Attendez, pour Machine, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Machine aussi. Je vais peut-être faire un ou deux petits tutos sur Machine pour la simple raison qu'en fait, je fais déjà beaucoup de choses sur Machine dans des formations professionnelles. Donc ça, je communiquerai dessus très prochainement, donc quand j'aurai un petit peu plus le droit de le faire. Sur ce, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Pas plus de choses que ça, donc pour venir au gagnant. Donc le gagnant, en fait, donc qui va gagner... Donc il va gagner, comme je vous l'ai dit, le Pocket Operator 12, donc il y a la drum machine. Donc le gagnant est Traffic Bigante. Bah bravo à toi. Donc je te contacterai, comme je te l'ai dit, je te contacterai par mail et je t'enverrai ça. Donc on verra pour les informations, etc. Mais je t'enverrai le tout. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Merci encore à vous, hein, donc pour tous ces... pour m'avoir suivi en 2016, et 2016 ça a été fou. J'espère aussi faire en sorte qu'on puisse un petit peu, entre guillemets, rentabiliser la chaîne avec des partenaires, parce que c'est ce que je suis en train de voir en ce moment, parce que ça me permettra de vous donner plus de choses, d'avoir plus de contenu, et ça vous permettra aussi d'avoir peut-être quelque part plus de giveaways, plus de cadeaux concours, etc. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous remercie pour tout. La prochaine vidéo, je peux déjà vous faire un spoiler, ce sera sur un sampler qui est gratuit et je vais vous expliquer comment ça marche. Ça sera super cool et voilà, donc merci, on se voit très rapidement et puis je vous dis à plus. Salut, peace.